Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue dans Zoom Impact, votre nouveau programme où chaque numéro est consacré à une personnalité ou un créateur dans la sphère de la mode. Alors, c'est parti pour la première rubrique. Notre sujet du jour est consacré à Dapper Dan. Daniel Day, pour l'état civil, Dapper Dan est un emblématique couturier new-yorkais du quartier d'Harlem. Couturier, oui, mais aussi une icône du hip-hop car il a su mélanger à la perfection la culture hip-hop aux marques de luxe. L'histoire commence en 1982 lorsque Dapper Dan ouvre sa boutique composée d'une seule table et de quelques chaises sur la 125e avenue à Harlem. Devenu célèbre dans les années 1980 et début 90 grâce à cette pièce originale, des vestes et ensembles taillés dans des matières qui imitaient les imprimés de grandes maisons de luxe telles que Fendi, Gucci, Louis Vuitton, entre autres. Des pièces qui étaient arborées par des stars du hip-hop comme LL Cool J ou KRS-One, mais aussi le boxeur Mike Tyson pour ne citer que ceux-là. Des sigles et logos de marques de luxe qu'il a réussi à africaniser. Notons que l'équipe au sein de son atelier était composée de tailleurs sénégalais qui conçoivent ses créations. Si ces fausses pièces faisaient autant fureur, c'est avant tout parce qu'elles étaient vendues à partir de 20$. Tandis que pour un véritable t-shirt Gucci, il faut compter au minimum 430$. En 1992, suite aux plaintes déposées par les différentes maisons de couture, en particulier Fendi, contre Dapper Dan, qui utilisaient illégalement leur logo, il était donc dans l'obligation de fermer son établissement. Il est un véritable game changer dans la sphère de la mode. Il avait compris la puissance des logos dans ses créations, la customisation dans ses confections, l'utilisation des matières de choix comme le cuir au lieu du vinyle comme certaines marques de luxe. Fendi avait gagné la bataille, mais le temps a prouvé que Dapper Dan a gagné la guerre. Car 26 ans plus tard, en 2017, retournement de situation. Gucci, qui faisait partie des marques se plaignant d'antan de l'utilisation de leur logo. En mai 2017, lors de la présentation de la collection Cruise par Alessandro Michel, directeur de la création chez Gucci, il reprend le modèle d'une veste d'aviateur conçue par Dapper Dan pour cette nouvelle collection. Gucci se verra alors accusé sur les réseaux sociaux de plagiat. La marque, dans un communiqué de presse, défendra plutôt la thèse d'un hommage à la création de Dapper Dan. Une aubaine pour Dapper Dan, puisque quelques semaines après la polémique, Gucci annonça une collaboration à venir au mois de septembre 2017 avec le tailleur new-yorkais. Ainsi, pour sa collection Men's Tailoring, la marque fait de Dapper Dan leur égérie et le fit poser dans son quartier de Harlem. Une victoire pour Dapper, mais pas l'unique. Trois mois plus tard, en janvier 2018, Gucci réitère sa collaboration avec le couturier, mais cette fois-ci pour l'ouverture d'un atelier dédié à la fabrique et la vente de vêtements sur mesure. La boutique est bien évidemment sponsorisée par Gucci et est située sur la 125e avenue à Harlem, non loin de l'ancien atelier de Dapper Dan. Après avoir ouvert un atelier en janvier dernier pour créer des pièces à la demande des clients, Gucci et le tailleur star d'Harlem s'associent le temps d'une collection capsule. La nouvelle collection de prêt-à-porter et d'accessoires, inspirée des archives de Dapper Dan, arbore des tissus et matériaux raffinés de la maison. Ornée d'un nouveau logo Gucci jaune, les pièces portées par de jeunes talents d'Harlem ont été photographiées par Harry Markopoulos. C'est la fin de ce focus sur Dapper Dan. Rubrique Lexic Mode, la rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire de la mode. Le thème du jour est la logomanie. Avec le logo est venue la logomanie, une tendance selon laquelle une marque évidente est répandue sur tous les vêtements. Plutôt qu'un nom de marque caché dans une chemise sur une étiquette, le logo d'une maison de couture était désormais porté pour être vu. Des monogrammes à foison. La logomania, c'est le retour du logo dans les collections des maisons de haute couture. On peut dire au revoir aux pièces minimalistes, notre dressing est désormais identifiable au premier regard. Nous passons sans plus tarder à notre dernière rubrique, la pépite du web. La rubrique pépite du web, notre pépite du jour est la créatrice de mode sénégalaise Awandour. Celle dont la devise est « When I don't find, I create ». Autrement dit en français, « Quand je ne trouve pas, je crée ». C'est un coup de cœur mode de par ses looks originaux, parfois confectionnés par elle-même. Allez sur son Instagram,
C'est une vraie messe à la mode. Nous arrivons à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis sur Fashion Africa Channel. C'était Sylvester Dez. Merci à l'équipe technique. D'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.